Le film de Colin Serrault, Solution locale pour un désordre global, qui s'interroge notamment sur l'avenir de l'agriculture, a été projeté devant un parterre de spectateurs, parmi lesquels de nombreux candidats d'Europe Écologie. La tête de liste pour le Val d'Oise, Sophia Lebdi, se retrouve dans les projets d'une agriculture de quartier qui permettra à la fois de développer du bio et de donner du travail. J'ai été confortée en fait dans les propositions que j'ai faites en tant que candidate sur le travail, le chômage qui touche particulièrement les jeunes dans les quartiers et particulièrement les femmes, et de me dire qu'on avait juste à côté des terres agricoles qui demandaient juste de trouver des salariés, des agriculteurs, des agricultrices, en tout cas de la main-d'œuvre. Le film de Colin Serrault a été diffusé en avant-première à Utopia Pontoise. Le grand public pourra le découvrir le 7 avril après les élections régionales.